Bonjour, bonjour famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. C'est votre humble serviteur, Stéphane Henry. Ni suiveur, ni suceur, ni mouton, je dis toujours ce que je pense. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va être un peu relaxé, on va être un peu décontracté. Parce qu'on paraît, il paraît que je suis trop sérieux dans la vidéo. Voilà, donc je serai un peu free aujourd'hui. Voilà, bon. Tiens, t'es Bordeaux, ton affaire là, ça devient compliqué, hein. Ça devient vraiment compliqué. Parce que moi-même, je comprends plus, je sais plus où me situer. Franchement, ça devient trop compliqué. Parce que si, dans cette histoire-là, n'importe qui, n'importe quoi va s'adresser à toi, là, franchement, moi, je sais plus ce quoi faire. Honnêtement, je sais plus quoi faire, je sais plus où mettre la tête. N'importe quoi va se permettre de mettre sa bouche dans ton affaire. N'importe quoi. Ce bout d'homme de Tiasco de Sultan là, sa taille, on dirait 4 mémoires là, il ouvre sa bouche pour toi te traiter de suceur. Simplement parce que je t'ai réconcilié avec ton meilleur ami Didier Arafat. Simplement parce que tu décides de soutenir ton ami Didier Arafat de ses spectacles. Tout ça là, c'est bien beau. Mais pardon, pense à toi aussi. Parce que quand un énergumène comme ce bouffon de Tiasco là ouvre sa bouche pour te traiter de suceur, comme quoi il dit la vérité, c'est du n'importe quoi. Ah bon? Vous allez dire qu'il dit la vérité? Tiens, ce que le citant que vous avez cité hier, vous avez dit, il dit la vérité. Parce que Debordeaux tarde à faire sortir des sons. Parce que Debordeaux est trop collé à Didier Arafat. Aujourd'hui, tiens, ce que le citant la chose en train de dire la vérité. Vous me faites honte, les amis. Toi, tiens, ce que le citant tiré, ça m'a rien. Ta carrière, même musicale, est statu quo. On ne sait pas où tu vas. Tu n'es même pas situé. Mais c'est toi qui te mises toujours dans les affaires des autres. Tu penses que les autres artistes qui sont là et puis qui regardent de loin, c'est parce qu'ils n'ont pas de mots à dire, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas se prononcer. C'est parce que ça ne les intéresse pas. Toi, ce que tu ne sais pas, on ne te considère plus comme un artiste, on te considère comme un vidéoman. Parce que le truc, c'est quoi? Comme Didier Arafat et Debordeaux ne sont pas en clash pour que tu viennes faire des vidéos à la con, toi, ça te dérange en fait. C'est les sorciers dont on parlait là. Oh, ben, je vous ai mis en garde. Je vous ai mis en garde, Tiasco. Toi, tu as traité Debordeaux lui comme des suceurs. Non. Tout Abidjan sait que Debordeaux lui comme c'est pas un suceur. Il est trop garçon. Il est garçon que toi-même. Il est plus bête que toi. Il est plus rebelle que toi. Tout le monde sait ça. C'est nous, on lui a dit qu'à se calmer. Va essayer de se réveiller sur toi. On va même pas te retrouver. Toi aussi, tu as parlé dans son affaire. On sait même pas où tu es. On sait même pas où tu t'en vas. Tu roules avec ta voiture de combien 1000 euros. Décapotable, je te promets, ça se prend, c'est trop arrivé. Bref, bon, Debordeaux, je te disais, pardon, hein. Faut pas que les homo sapiens mettent les gueules dans ton affaire, franchement. Franchement. Même si toi-même, actuellement, même, tu es en train de zaïer là. Franchement, moi, je ne peux pas accepter ça. Honnêtement, même. Je ne sais même pas aller à ça. Pourquoi? Tu sais ce que le titan, quand il a dit la vérité, vous savez ce que c'est la vérité? Il a dit sa vérité, c'est pas la vérité, il a dit. Voilà. Le fait que Debordeaux dure, nous-mêmes, ça ne nous plaît pas. Mais ça ne nous donne pas droit de venir ouvrir sa petite gueule là. Son petit trou de griot là. Pour traiter Debordeaux de pas de suceur. Vous voulez juste que ces deux-là rentrent en clash. C'est tout votre objectif là. Mais ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils ont dépassé la trentaine maintenant. Ce ne sont plus des enfants. Bande de sorciers. Faut pas chercher à faire évoluer ta carrière. Faut rester là à être vidéoman. On te considère comme un vidéoman. On te considère pas comme un artiste. Voilà. Tire ça m'a rien. Faut retourner en bain, t'allais laver les cadavres là-bas. N'importe quoi. C'est un petit message rapide. Je vais même pas durer sur toi, même pas. Sinon, vaut pas la peine. Plus jamais. Attends, déjà des voitures une fois comme ça. C'est pas un repéro, c'est pas un suceur. Voilà. N'importe quoi. Faut que tu attends son son. Toi, tu l'admis. Toi, tu l'admis et tu fais une vidéo pour venir te traiter de suceur. Ton visage, André Guinon. N'importe quoi. Vilain garçon. Côté, est-ce que le sultan le rebelle? Tu as resté rebelle et puis on toujours te mater. Ciao, ciao, les amis. C'était moi. Partagez la vidéo si elle vous a plu.